Je m'appelle Mélodie et j'ai fait un stage au Café du Fleu pendant un mois, pendant la période de confinement. Donc mon stage se déroulait exclusivement à distance, donc en télétravail. Donc j'avais pour objectif, en commençant mon stage et en faisant un stage au Café du Fleu, de comprendre les logiciels de communication, comment s'en servir, qu'est-ce que gérer les réseaux sociaux lorsqu'on est une marque. Tout ça dans le but de me professionnaliser, car l'année prochaine, je vais entreprendre des études en communication. Je voulais également avoir un premier pas dans une entreprise. Donc pendant mon stage, j'ai pu utiliser beaucoup de logiciels de communication, comme WordPress, qui est un logiciel pour créer un site internet. Donc j'ai pu faire des articles et mettre en page des articles. J'ai également beaucoup utilisé Canva et Photoshop, donc pour créer des visuels et les mettre en ligne sur nos réseaux sociaux. Alors, j'ai également utilisé Headliner pour sous-titrer des vidéos. Également utilisé beaucoup de logiciels pour communiquer à distance, étant donné que mon stage se faisait en télétravail. Donc j'ai pu utiliser Zoom, la plateforme, pour faire des visioconférences. On a aussi beaucoup utilisé Trello, qui est une plateforme avec un système de cartes pour pouvoir. J'avais tous les jours mes tâches à faire de la journée, ce qui était à faire le plus important, ou Dropbox pour partager des fichiers. Donc mon stage fut très enrichissant, j'ai appris plein de choses, j'ai pu me familiariser avec tous les logiciels de communication. J'ai également gagné en autonomie car mon maître de stage n'était pas tout le temps derrière moi. J'ai eu beaucoup de liberté, ce qui m'a permis de beaucoup créer et de persévérer aussi. Corentin m'a énormément sollicité en me demandant mon avis, ce que je pensais de ce que je faisais, des conseils que je pourrais lui donner. Ce fut très enrichissant pour moi et je remercie encore Corentin pour sa confiance et de m'avoir laissé faire un stage en communication.